Vendredi soir à Gerland, Lyon vient de s'imposer 3-0 face à Caen. Nabil Fekir retrouve ses amis et ses frères juste après la rencontre. Qu'est-ce que t'en as pensé du match du grand frère? Il a fait un bon match, mais il a raté le pénalty. Ça s'est bien passé, même si sur le plan personnel, j'ai loupé le pénalty. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été un assez bon match. Pas de but pour l'attaquant lyonnais, mais une première partie de saison fantastique pour ce natif de Lyon, au parcours atypique. Après Caluire et Vaux-en-Velin en banlieue lyonnaise, Nabil Fekir intègre à 13 ans le centre de formation de Lyon. Une expérience de courte durée, 2 ans plus tard, il n'est pas conservé. J'étais pas forcément anéanti. Je me suis dit qu'il fallait continuer à travailler, que c'était pas fini, j'étais encore jeune. Retour alors à Vaux-en-Velin. Pour Ali Rechad, aujourd'hui président du club, et Mustapha Gouali, son ancien entraîneur, c'est l'étonnement. Il les a fait trembler, ceux-là. Il les a fait trembler. Bon, la première des choses que j'ai dit, c'est à son père. Je lui ai dit, ton fils, il n'a rien à faire avec nous. Rien à faire avec nous. Nous, on n'a pas douté. Je pense que lui-même n'a pas douté, ou alors ça a été très court. Mais les 3/4 des gens ici ne comprenaient pas déjà pourquoi il avait été renvoyé. Nabil Fekir rejoint ensuite les moins de 19 ans de Saint-Priest et, ironie du sort, affronte l'Olympique Lyonnais en Coupe Gambardella sous les yeux des dirigeants de l'OL. On a gardé un œil sur lui parce qu'il y a le club voisin qui était venu pour le récupérer, Saint-Étienne, et lui a dit non, si je retourne, c'est à l'OL. C'était aussi une petite revanche sur moi-même et sur le club de l'Olympique Lyonnais. Après, je leur en veux pas du tout de ne pas m'avoir conservé quand j'étais plus jeune. Deuxième chance donc pour le Lyonnais, la bonne cette fois. Nabil Fekir joue 19 matchs avec la réserve de l'OL et inscrit 5 buts dès sa première saison. Désormais, ses qualités impressionnent. De toujours être dans le souci du jeu vers l'avant, dans le souci de provoquer, dans le souci d'être influent, je dirais, dans les zones de vérité. Et quand il est là, notre équipe est beaucoup plus performante. Je suis quelqu'un de très ambitieux. J'ai envie d'aller voir peut-être essayer de jouer dans des grands clubs. Voilà, c'est mon rêve de gosse et voilà, j'espère un jour le réaliser. Nabil Fekir devra peut-être faire un autre choix bientôt, comme celui de jouer soit pour l'équipe de France, soit pour l'Algérie. Son papa ne cache pas son attachement au Fenech et préférait le voir avec le maillot vert. Ça c'est sûr, parce que je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas jusqu'à 20 ans, 21 ans. Je serais fier. Après, c'est à lui de décider, c'est pas moi. J'ai pas envie de penser à ça pour le moment. Je préfère d'abord me concentrer sur Lyon, prendre le temps de jouer à Lyon et après ça, je prendrai la décision en temps voulu. Qu'il joue une Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Et j'espère pour lui c'est qu'il gagne un ballon d'or, mais je crois pas. Mais on sait jamais, quoi.